déjà nous sommes habitués. Faut déjà toko mako sepela, tout sepela, cannabis sonango. Salut, c'est Salvador Alongi. On direct de face à la cam de Strong Lettering Move Bokosukuka. Bonjour, c'est Salvador Alongi, je suis un jeune artiste, musicien congolais et je suis danseur et chorégraphe. J'ai chanté depuis à l'église et officiellement je me suis installé à la musique dans les années 2017. Bon, j'étais toujours au ghetto, j'ai bossé encore et malgré tout ça, je me donnais trop à la danse. J'étais danseur aussi et chorégraphe, je venais trop à la danse. Vers les années 2018, je suis allé à l'Ouganda et pour mes études et pour quelques projets que j'avais. J'ai participé à un concours qu'on appelait Bomoko Popping Dance. J'ai été champion et après ça, j'ai continué toujours à bosser. Vers les années 2020, pendant le temps qu'il y avait l'épidémie qu'on appelait COVID-19 et le cannabis onanda, j'étais trop à la maison. Et c'est par là que je suis concentré maintenant à la musique. J'ai chanté. Et j'ai trouvé un ami qui s'appelait Mundi. Et on a pu parler à propos de la musique. Je suis presque partout. Je fais la rumba aussi, la R&B, dancehall et afro. C'est bien, du générique. Bon, je suis presque partout. Je ne sais pas comment définir le style. Parce qu'un artiste doit être complet. Our popping dance, moi j'étais trop basé au style popping dance et vu que j'ai dansé, j'ai pu remporter plein de concours à l'Ouganda et c'est maintenant là parce que nos concours c'était, je peux dire, c'était international parce qu'il y avait des blancs, on dansait avec des blancs et de pays par pays, Bandoroya, et on dansait avec eux et après ça, les gens ont pu me contacter, le popping world m'ont contacté, on parlait avec eux, on a discuté, on m'a dit que qui est ton encadreur, c'est bon, on adresse à encadreur normal, ils ont vu, on a dit que mon niveau et mon encadreur c'est trop, donc mon niveau est très élevé que mon encadreur. Et après ça, ils ont venu jusqu'à l'Ouganda, ils ont organisé un concours pour voir encore si c'est vrai moi que j'ai dansé. Et après ça, j'ai pu aussi remporter ce concours. C'était nommé Naguru Awa Popping Dance. Et j'ai gagné, m'a remis le trophée de popping. Connexion avec Monde Production. Monde était un ami. On était toujours en contact avec lui. Et c'était pendant les temps du COVID-19 que j'étais à la maison. Il me voyait, je chantais. Je faisais des sons avec des instrumentaires téléchargés. Il m'a dit, pourquoi dans tes sons, on fait ça en dédicacité? Je lui ai dit, j'ai fait plein de sons. Et il a dit, bon, on doit faire quoi? On doit faire tout ça, la business, mon collard, moi et toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi je vais te produire et toi tu me fais des produits. Voilà, ça l'est. On a tes cacao. Comme ça, on va faire le business. On va voir comment est-ce qu'on va marcher. Et c'est comme Youssoufa et Philo. Bon, le titre qui me définit le plus au Batbaye Bakinga, c'était Don't Go. Don't Go qui signifie ne pars pas. Bébé, parce qu'elle est l'amour de ma vie. Quand elle me paraît trop sexy, et voilà que nos jaloux s'expriment. Et... Sortez officiellement avec la tune Don't Go. Bon, c'est pas mal, je peux dire, nous sommes pas encore trop de génie, mais nous sommes en train de marcher aussi, tout doucement. Les Congolais, nous sommes entrés dans le monde urbain, il n'y a pas longtemps, nous sommes entrés dans le monde urbain. Ce que je vois, c'est juste qu'il y a trop de la polémique et du travail. Bon, mes projets pour la suite, c'est de réaliser quelques albums, travailler encore, réaliser des projets avec des grandes personnes et des grandes maisons de la production. Pour moi, l'artiste que je dois collaborer avec lui ou celle que je dois collaborer avec elle, elle doit d'abord avoir le travail, elle doit bosser et celle ou celui qui fait la musique. Exemple, on a des bosseurs, il y a Fali qui bosse.
Merci beaucoup et merci à Strong The King Move. Pour retrouver Salvador Aloni sur Instagram, vous écrivez Salvador Aloni, me voir, et Facebook Salvador Aloni Officio, et notre chaîne YouTube, vous écrivez Mundi Production. Donc c'est un peu ça pour me retrouver. Merci.